comme tout le monde, vous avez le stress des petits potes, comme on vous comprend. Alors, Clément a un truc pour vous, pour le travailler un tout petit peu et avoir ensuite 100% de réussite. Alors, on va travailler sur la direction de la face. Donc, on va chercher à ce que la face reste le plus longtemps possible dans la direction de votre objectif et donc du trou s'il n'y a pas de pente. Donc, ça se présente comme ça. Premier exercice, je mets mon putter devant la balle et je vais chercher à ne pas prendre d'élan, juste garder l'orientation de ma face dans la direction de ma cible. Pas d'élan et je pousse. Ensuite, deuxième exercice, même démarche, je vais juste, au lieu de la taper, je vais juste ancrer et marquer cette position-là de la direction de ma face dans la direction de ma cible. Et ensuite, je me remets devant la balle et je fais exactement pareil. Clément, merci, vous l'avez compris, contrôle de la face dans la traversée, c'est synonyme d'une barre qui sort dans l'axe. Si vous ne vous êtes pas trompé d'alignement, c'est à coup sûr un petit putt réussi. Alors attention, le premier exercice, c'est un exercice. S'il n'y a pas d'élan arrière, ce n'est pas un coup de golf. Donc ne vous amusez pas à jouer vos putts en compétition sans élan arrière.